Il est raconté qu'une femme est venue voir Émile Coué en lui demandant un médicament et elle n'avait pas l'ordonnance nécessaire. Et Émile Coué a fait le choix, pour calmer cette femme qui était très inquiète de ne pas avoir son médicament, de lui proposer quelque chose qui était au même goût, avec de l'eau distillée. Et en donnant des préconisations comme un médicament, 3 gouttes le matin, 3 gouttes à midi, 3 gouttes le soir, pas plus, pas moins, soyez bien respectueuse de ça. Et cette personne serait revenue une semaine après en disant que ce médicament-là était mieux que le précédent. L'effet placebo, c'est l'effet que peut avoir un médicament au-delà de ce qui était attendu par rapport à une parole qu'on peut avoir. Exemple, vous avez mal aux dents et vous prenez, l'un va prendre une aspirine ou du doliprane, je me sens déjà bien, le simple fait de l'avoir pris, alors qu'en fait la molécule ne va faire effet qu'une demi-heure ou une heure après. Il y a 2 grands postulats. Le premier postulat dit que toute pensée que nous avons en tête devient réalité dans la limite du raisonnable. Ça, c'est le grand postulat. Et puis le deuxième postulat, c'est contrairement à ce que nous avons appris, ça n'est pas la volonté qui nous fait agir, mais notre imagination. Ça, c'est les 2 grands postulats. Derrière, il décline des lois. Il évoque le combat entre la volonté et l'imagination. Il dit que quand il y a un combat entre la volonté et l'imagination, c'est toujours l'imagination qui gagne. J'ai quand même envie de dire qu'il y a d'autres manières de faire de l'autosuggestion. Coué est souvent limité à cette autosuggestion par les mots, mais lui-même parlait déjà sans utiliser ce terme de visualisation, puisque par exemple, il proposait, quand on avait des soucis intestinaux, de se voir en train de digérer, de voir même les médicaments faisant effet. Ce travail de visualisation, c'est une forme d'autosuggestion. Et puis Coué disait aussi que ça valait la peine de sourire parce que ça nous faisait du bien. C'est une autre forme d'autosuggestion, c'est de l'autosuggestion par le corps. A été reçu comme un héros. Dès son premier voyage, ça a été le cas. Toutes les conférences qui étaient prévues étaient complètes. Les billets avaient tous été vendus. On a été obligé de rajouter des conférences. Et il a été reçu à la Maison Blanche par le président américain de l'époque. Il a été reçu par Henry Ford, fondateur des usines de voitures. Oui, il y avait une Coué-mania. Dans les personnes connues qui sont venues vers lui, est souvent citée cette cantatrice londonienne qui venait à Nancy, hein, les hôtels de Nancy étaient pleins, le grand-duc Boris de Russie qui venait, et ce qui est incroyable, c'est qu'il recevait ces gens en même temps qu'il recevait des paysans nancéens, des gens simples, et tous au même endroit, reçus, jamais en individuel. Hein. Il recevait en groupe, et d'ailleurs il considérait qu'il y avait une force du groupe. Et puis peut-être que le plus connu, le plus reconnu, c'est le duc d'York, futur George VI. Sur son bégaiement, j'ai la chance d'avoir une copie de ce courrier du secrétaire du duc d'York, remerciant Émile Coué pour le travail qu'il a fait avec le duc et les progrès qu'il a fait dans son élocution, et disant en même temps, vous êtes à Nancy, le duc est à Londres, il va falloir trouver une autre solution. Et l'autre solution, c'est celle qu'on voit apparaître dans ce magnifique film qui est Le discours d'un roi avec un orthophoniste. Il y a
y a déjà, et c'est encore le cas aujourd'hui, une petite bataille entre les pharmaciens et les médecins. Pour un médecin, un pharmacien, c'est en dessous de lui. Il n'est pas censé jouer le rôle de médecin. Or, Coué, dans le travail qu'il faisait, ses ateliers, ses causeries, il guérissait des gens. Donc c'était insupportable pour les médecins que des gens malades aillent voir Coué directement plutôt que lui. Donc déjà, il y a presque un manque à gagner. Donc rien que pour ça, ils l'ont attaqué. Et puis que Coué se permette de dire que dans toute maladie, il y a deux maladies, une physiologique et une psychologique, qui est quelque chose qui est vrai aujourd'hui, c'était pas connu ou reconnu à l'époque. Et c'était insupportable pour des médecins qu'un petit pharmacien de province, en plus, et je le dis vraiment avec beaucoup d'affection, ose donner son avis sur ce qu'est la médecine. En fait, il était trop en avance pour son temps, tout simplement. Et aujourd'hui, on voit bien que des méthodes comme la sophrologie sont des méthodes reconnues. La PNL est une méthode reconnue. Programmation neurolinguistique, c'est programmer ses neurones avec le langage. C'est une méthode très utilisée par les sportifs de haut niveau. Et ces méthodes sont aujourd'hui reconnues, mais elles n'auraient pas pu être reconnues à l'époque.